Alors, je vous retrouve en présence de Nathan. Alors, excusez-moi, je serais peut-être obligée de passer en voix off. Je vais vous faire aujourd'hui un déballage, en fait, de tous les cadeaux de Noël qu'on a achetés. Donc, ça y est, je suis complète. J'ai terminé les cadeaux. Je suis trop contente. Donc, je vais vous montrer tout ça. Hop, alors, on va commencer. Alors, vraiment, ça va venir comme ça vient. Ça va venir comme ça vient. Je suis toujours... Je sais pas pourquoi je dis toujours ça. Tiens mon doudou. Tiens, voilà, attendez. Je vais lui donner son doudou. Voilà. Alors, on va y aller. On va déballer le premier colis. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous dire à chaque fois pour qui est-ce que ça concerne. Et puis, je vous mettrai les prix en bulle. Donc, le premier truc, c'est pour mon petit bébé Nathan. Alors, attendez. Comment je peux faire que vous voyez. Attendez. On va faire comme ça, ça sera mieux. Voilà. Alors, c'est un chien, en fait, interactif. Donc, quand vous appuyez, en fait, il bouge. Hein. Les oreilles, elles bougent, la tête bouge. J'adore. J'ai ma belle-fille. Parlons ensemble. Voilà. Donc, Toutou parle avec moi. Donc, il s'appelle Pilou. Voilà. Donc, ça, c'est pour Nathan. Hop. Ensuite, alors, j'ai pris un livre pour chacun des enfants. Donc, j'ai pris un pas de patrouille pour Clément. Donc, j'ai pris le thème de Noël. Voilà. Le truc qui est en train de... Voilà, un petit livre. Voilà, pour Clément. Ensuite, pour Nathan, j'ai pris celui-là. J'ai trouvé qu'il était trop sympa. Image et sonore, les petits bonheurs. Oh ouais, je vais lui prêter après. Les petits bonheurs de la vie. Vous voyez. Hop. Bah, il y a peut-être un... Ah, il y a un truc. Je vais l'enlever. Hop. Bonjour, bébé. Le chant des... Ouais, c'est joli. Je vais lui prêter, hein, pendant que je vous parle. Tiens, tu me prends. Voilà, tiens. Allez, un petit peu. Bon, je vous filme ses mains. C'est mon anniversaire. Voilà. On continue. J'aurais peut-être la paix en lui donnant un cadeau. Alors, pour Tristan, punaise, il est lourd. Alors, un livre sur Marvel. Hein. Donc là, c'est Spider-Man. Voilà. Il est vraiment imposant, hein, le bouquin. Voilà, il a coûté quasiment 20 euros. Voilà, donc joli. J'aime bien l'odeur des livres neufs, j'adore. Donc je remets dans le carton. Hop. Après, il faudra que je fasse les papiers cadeaux. Je ferai peut-être une vidéo à part parce que sinon, ça sera trop compliqué. Alors, un colis, un paquet. Je continue. Alors, ça, c'est pour mon neveu. Mon neveu qui a 3 mois de moins que Nathan. Donc, j'avais pris ça à Action. C'est un... Par contre, ça m'énerve. C'est Nathan qui avait arraché ça. Il faut que j'essaie de le réparer. Une boîte à outils et c'est musical. Hein. Ça ne marche pas. Bon, écoutez, je verrai. Il n'y a peut-être pas de piles. Il faut peut-être que je mette des piles. J'en sais rien. Enfin, voilà. Hop. Oui, mon bébé. Hop. On continue. Doudou. Alors, bah ça je vous l'avais montré, hein, c'est pour Finlay. Voilà. Ensuite, alors, ça je ne vous le remontrerai pas, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Hein, c'est des petites activités pour occuper les enfants pendant leur repas de Noël. Hein. Donc ça, ça ne fait pas partie des cadeaux en tant que tel. Les crayons, c'est pareil. Hein. Par contre, ça, ce sont des cadeaux pour mes nièces. Donc je leur ai pris chacune un petit parfum Disney. Donc, il y a le parfum Saint Dalmatien et l'autre Encanto. Je trouvais que c'était super sympa. J'avais eu ça à Action. On verra ce que ça donne. Voilà. Alors, ça, c'est pareil. Hein, c'est pour occuper les enfants. Et puis, pour mon neveu, pareil, qui a 3 mois de moins que Nathan, j'ai pris une peluche comme... Désolée pour le bruit. Une peluche comme ça, musicale. Voilà. Hop. Alors, je remets dans le sac. Je vais assez vite parce que j'ai tellement de cadeaux que je veux pas que la vidéo dure non plus 10 000 ans. Hein. Alors, allez doucement avec les parfums. Hop. Voilà. Je continue. Alors, ça. Alors, voilà. Donc ça, je l'ai acheté hier quand je suis allée avec ma maman à King Jouet. Donc ça, c'est pour ma nièce qui a 8 ans. Donc elle voulait des jeux de société, donc Filou Chiptou.
Donc c'est rigolo, je crois que ça a coûté une vingtaine d'euros, il me semble. Donc elle, en plus de ça, je lui ai commandé, mais je ne l'ai pas encore reçu, un livre photo avec, que j'ai intitulé « Mes cousins », où j'ai mis plein de photos d'elle avec ses cousins parce qu'elle est très très famille, très attachée. Et vous savez, c'est ma sœur qui s'est séparée là, donc c'est un peu compliqué quand même pour les enfants, hein, les séparations malgré tout, même si les adultes disent toujours « ça va », bah moi je trouve que... c'est quand même compliqué pour les enfants, donc je lui ai fait un livre et je pense que ça lui fera extrêmement plaisir. Donc elle aura un livre photo en plus. Voilà, alors ça c'est pour Nathan. Je vais aller vite parce que voilà. Donc ça c'est pareil, j'avais pris à Action, donc un piano. Je croyais que c'était sympa comme cadeau. C'était pas cher, ça m'avait coûté moins de 10 euros. Alors pour mon autre nièce qui a, elle, 3 ans, elle a à fond sur pas de patrouille, hein, comme, bah, comme Clément. Hein. Donc je lui ai pris un espèce de... téléphone, tablette, entre les deux, pas de patrouille, en rose bien sûr, hein, parce qu'elle bah, adore le rose. Alors ça c'est pour Clément. J'avais pris ça, j'étais allée à Carrefour et j'avais eu bah, pas mal d'argent crédité sur ma carte. Donc c'est, bon, voilà, une voiture, pas de patrouille. Oui mon bébé, je vous mettrai les prix. Ça va, bah, ça c'est lourd mon cœur, je vais te donner autre chose, d'accord? Ah, forcément, le pauvre, il a envie. Tiens, tu veux ça? Regarde. Ouh, c'est joli. Non, tu veux pas ça? Non. Ça te plaît pas? Ça te plaît pas, ça. Alors, ça. Tiens, regarde. Oh, c'est Filou Chiptou. Bon, allez, hop, je continue. Je vais peut-être lui donner. Je vais peut-être essayer ça. Tiens, tu veux essayer ça? Tu appuies? Et désolé, ça va faire du bruit pour vous, hein. Alors ensuite, là où on va rigoler, c'est qu'en fait, regardez, j'ai deux énormes cartons. Donc, je vais aller les ouvrir, je mettrai en accéléré pour vous et on déballera ensemble. Allez, à tout de suite. Donc, bah, les cartons sont ouverts, donc je vous retrouve tout de suite sur la table pour vous montrer ce qu'on a acheté. Hop là, c'est parti. Tu vas regarder mon doudou? Oui. Alors, ça, c'est pour Tristan. Donc, oui, mon cœur. Voilà. Il voulait absolument ça, c'est sur les Tortues Ninja, donc c'est un camion lance-pizza. Un camion lance-pizza. Oh, écoutez, ça lui plaisait. Mais c'était pas donné, ça, hein, il me semble, hein. Voilà. Ensuite, alors ça, j'ai commandé chez Smith. J'ai reçu la majorité des cadeaux, je les ai commandés par internet, que ce soit par Amazon ou des magasins jouets. Il n'y a que King Jouet où je suis allée en direct et Action. Le bruit, c'est Clément. Hein. Alors, ça, c'est toujours pour Tristan. Alors, il faudra l'enlever, mais je vais pas l'enlever tout de suite. Donc, c'est un Transformers sur le thème de Batman. Voilà, donc il est assez gros hein, quand même. Voilà, donc je vais le mettre au fond. Hop. Et franchement, la galère pour cacher tous ces jouets, c'est hyper compliqué. Heureusement qu'on a un abri de jardin. Hein. Alors ça, donc c'est pour Tristan. Donc il voulait ça, donc une mallette avec des trésors Pokémon dedans. Oui, tu veux ça? Non. Tiens. Non. Non. D'accord, ça te plaît pas. Alors, premier carton. Alors, on va passer à l'autre. Alors, en fait, c'est des jouets qui sont très volumineux, donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de place. Donc là, on passe à Clément. Oui, mon cœur. Donc Clément, alors, il voulait un bateau comme ça, avec attaque de requin. Voilà. Voilà. Bon, bah, écoutez, chacun ses goûts. Moi j'ai trouvé ça trop bien qu'ils veulent ça. Ils voulaient absolument ça, vraiment, vraiment, vraiment. Quand Clément, je te décale un tout petit peu, excuse-moi. Voilà, un chariot comme ça de nettoyage. Alors c'est vraiment les jouets. Moi j'avais ça dans les années 80 quand j'étais petite. Avec bah, la balayette, le balai, la serpillière, le balai, le seau, sur le petit trolley, quoi, le petit chariot. Donc il a voulu ça, donc j'ai trouvé ça.
trop choupinou. Donc, bah, lui, il a ça. Donc, Clément, il a ça. Le bateau requin. La grosse voiture pas de patrouille que je vous ai montré. Tristan a le robot Transformers. Le camion pizza. Ah, punaise. Et à force, vous savez quoi, je sais plus. Je vous ferai un récap de tout. Tiens, doucement, mon chat. Voilà. Oh, je suis désolée, les vidéos c'est jamais calme hein, chez moi, désolée mais je peux pas faire autrement. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais aller planquer. Voilà, je vous mets quand même un petit aperçu de mon salon avec le linge hein. Le linge au fond qui est en train de sécher. La panière, enfin bon, vous avez compris, vous avez vu ce qui m'attend, du rangement pour changer. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que de votre... Attendez, je me décale un peu. Voilà. Hop, on va se mettre là. Que de votre côté, les cadeaux de Noël avancent, parce que c'est quand même une épreuve, hein, tous les ans, de trouver les cadeaux. Parce que quand ils sont tout petits, bah, vous prenez en gros ce que vous voulez. Mais quand ils grandissent, ils font des listes, ils changent tout le temps d'avis. C'est très, très compliqué. Donc, j'ai quand même dû attendre... J'ai repoussé au maximum, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de ruptures de stock. Hein. Là, je vous parle, on est le 8. Il y avait déjà beaucoup de ruptures de stock hein, il y a quelques jours. Donc, à mon avis, ça va s'accentuer. Donc, bah, foncez faire vos achats de Noël parce que bah, c'est trop dommage quand même de passer à côté des vœux des enfants. Je vais juste vous montrer hop, voilà, par où je suis passée. Voilà, c'est ce magasin-là hein, dont je vous parlais. Voilà, donc bah, écoutez, ils ont livré très rapidement. Alors bon, ils précisaient quand même qu'ils peuvent livrer en plusieurs fois. Donc moi, j'ai reçu tout la même journée. Et que quand c'est des colis volumineux, alors pourtant, moi, ils sont quand même ultra volumineux, hein, ça peut ne pas être mis dans des colis. Donc vous pouvez vous retrouver ben, avec les jouets comme ça. Voilà, donc si vous êtes avec vos enfants, c'est compliqué, quoi. Voilà, donc voilà, voilà. Vous avez vu ma déco? C'est chouette, hein? Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, je vais aller ranger, j'ai des traces partout, enfin bon bref, vous aurez compris mon quotidien. Je vous fais à tous d'énormes bisous, j'espère que vous allez tous bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!